une relation apaisée. Au cours de son mandat de première ministre, Elisabeth Borne a eu plusieurs désaccords avec l'un des membres de son équipe gouvernementale, à savoir Gérald Darmanin. Le 27 août dernier par exemple, le ministre de l'Intérieur avait organisé sa rentrée à Tourcoing, sans même inviter la femme politique de 62 ans. Malgré les apparences, ces deux personnalités politiques semblent être restées en bons termes. En témoignent les révélations de l'Express, ce jeudi 1er février. Comme l'ont indiqué nos confrères, Gérald Darmanin aurait en effet envoyé un immense bouquet de fleurs à Elisabeth Borne lorsque celle-ci a quitté son poste à Matignon. Une belle attention qui en dit long sur l'état de leur relation. Lors de ses dernières semaines à Matignon, Elisabeth Borne avait également été chaudement soutenue par l'hôte de Beauvau. Lorsque ce dernier a su qu'il n'était pas en lice pour lui succéder, il avait en effet fait part de son soutien. Mais ce n'est pas tout. Selon nos confrères de l'Express, Gérald Darmanin avait même voulu soigner leur relation personnelle en invitant Elisabeth Borne à dîner dans un restaurant chic de fruits de mer, peu avant les fêtes de fin d'année. Qui sont les ministres du gouvernement Attal ? Gérald Darmanin, quelles sont ses relations avec Gabriel Attal? Depuis le 9 janvier dernier, Gérald Darmanin doit composer avec un tout nouveau Premier ministre, Gabriel Attal. Cette fois, les relations entre le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre semblent partir sur de meilleures bases. La preuve ? Lorsque Gabriel Attal a succédé à Elisabeth Borne, Gérald Darmanin a publié un message sur X, anciennement Twitter, pour le féliciter. Les deux hommes politiques se sont même retrouvés à l'occasion d'un petit déjeuner, le 10 janvier dernier, pour consolider leurs liens. On a parlé politique. Ça a été un très bon échange. « Je suis là pour l'aider, sans arrière-pensée », avait alors assuré Gérald Darmanin dans les pages du Parisien. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Eric Chaenpoul. Just me.